Salut les amis, c'est Mighty Gra pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine du renouveau, j'ai envie de dire. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, à savoir pourquoi je me suis à nouveau relancé dans la série des panoramations, parce que comme vous le savez tous, j'avais arrêté cette série il y a peu de temps. En revendant mes quatre premières pièces, que sont le Gémeaux, la Vierge, le Phénix et le Pégase. J'avais revendu le lot de quatre figurines parce que, tout simplement, je trouvais que la série des figurines était vraiment trop élargie et je n'allais pas avoir suffisamment de place avec mes vitrines et toutes les nouveautés qui allaient arriver, etc. Et puis ça faisait beaucoup de choses à acheter, et au niveau portefeuille, mais voilà, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc je me suis tout simplement sacrifié cette série de figurines au profit évidemment des mid-close, des décors, de l'embellissement des vitrines, etc. En sacrifiant cette série qui pour moi n'était pas vraiment nécessaire. Voilà, donc j'ai changé d'avis, comme vous pouvez le constater, étant donné qu'il y a une des panoramations devant vos yeux, j'ai changé d'avis, tout simplement, pourquoi? Eh bien écoutez, je me suis rendu compte, tout simplement, en revisualisant une vidéo que j'avais faite auparavant, et cette vidéo, c'est la vidéo du Gémeaux en version panoramation. En fait, j'ai eu tout simplement un MP au niveau de Facebook d'une personne me demandant certains détails au niveau des panoramations du Gémeaux. Je suis allé revoir ma vidéo parce que je n'avais plus cette figurine à portée de main. Et dans ma vidéo, je suis retombé sur le charme de cette figurine tout simplement lorsque je l'ai vue exposée sur le mur des Lamentations. Mon mur des Lamentations. Donc voilà, je me suis dit, mais enfin, c'était vraiment super ce que tu proposais aux gens. Et finalement, tu les revends et tu n'iras pas plus loin dans ta démarche. Et tu as promis quelque chose aux gens qui te suivent. Et finalement, tu ne pourras pas le faire. Donc, tout simplement, je me suis remis à ces DD Panoramations. J'ai reçu en cadeau de la part de mon ami Laurent, que je salue au passage, la figurine du Gémeaux. Il m'a offert cette figurine du Gémeaux lors d'un passage chez lui, lors d'un repas chez lui entre amis. Et il m'a dit, tiens, voilà, c'est la première figurine de ta nouvelle série des DD Panoramations. Alors là, franchement, j'ai pas eu trop le choix que de me relancer. J'attendais justement cette petite illumination qui allait me tomber dessus, d'un jour me racheter toutes ces figurines. Et finalement, Laurent a mis le feu aux poudres en me proposant en cadeau cette figurine que je n'ai pas évidemment pu refuser. J'étais très 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 touché par ce geste d'affection, d'amitié, de générosité. Et voilà, je me suis relancé au DD Panoramation et aujourd'hui, je vous présente à nouveau les dernières pièces sorties. Donc, j'ai dû me remettre un peu à jour, donc à savoir acheter les quatre premières et puis tout simplement repasser sur le lion, le cancer et le dragon qui sont sortis entre-temps. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter ce fameux lion. Alors, évidemment, les DD Panoramation, pour ceux qui le connaissent, ce ne sont pas des figurines que l'on monte, donc ça va prendre beaucoup moins de temps pour la présentation de la figurine qu'une mid-close classique, mais on va faire ensemble le tour du boîtier déjà. Alors il faut déjà savoir une chose, c'est que les DD Panoramations ont des boîtes magnifiques. Alors on pourrait parler du prix, on pourrait parler de la qualité, on pourrait parler de tout ça. Je suis entièrement d'accord. Je vous invite d'ailleurs à retourner voir mes anciennes vidéos de DD Panoramations pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. J'en discute longuement, je parle énormément du prix, etc. Mais il faut savoir que cette gamme de figurines peut être éventuellement destinée à un public plus jeune, un public ayant d'autres moyens financiers que les nôtres, parce qu'il faut bien avouer que d'acheter une figurine du Lion en version EX au jour d'aujourd'hui, ça coûte très 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 cher, et un petit étudiant qui a 12, 13 ans, voire même moins, ne peut pas forcément s'offrir une figurine à 150, voire 200 euros. Donc je trouve que c'est un très très bon compromis. Cette figurine qui est à la fois une figurine peut-être de collection, mais un peu de moindre qualité qu'une version mid-close ou EX, peut servir également de jouet. Toutes les pièces étant assemblées, on n'a pas vraiment cette crainte qu'un enfant puisse porter une pièce à sa bouche ou quoi que ce soit. Bien que les mains, les visages, etc. soient... on puisse encore les démonter. Mais bon, voilà. Si un petit garçon ou une petite fille veut faire comme papa et collectionner des figurines, pourquoi pas lui offrir tout simplement ce jouet qui est de bonne facture pour un enfant. Voilà. Moi, je vous propose donc de regarder cette boîte qui est magnifique,
comme d'habitude, au niveau des dépanoramations. Elles sont très, très, très soignées, je trouve. On a une tranche magnifique, des côtés qui sont superbement bien faits. Voilà. Alors, à l'arrière des dépanoramations, on a toujours l'explication complète, quasiment le montage du contenu de la boîte. Alors, on se rend compte qu'on va encore avoir toute une série de pièces qui servent de mini-décor pour ces pièces. Ça, c'est pas mal non plus. Comme je vous disais, pour les enfants, c'est pas mal. Vous pouvez leur monter quelque part un décor gargantuesque avec toutes les figurines, etc. Ça peut être vraiment sympa. Là, on a la figurine avec son visage normal, la figurine avec son visage avec les yeux rouges. On ne le voit pas fort ici, mais on le verra après dans la boîte. Vous savez, quand il est possédé par le grand Pop et qu'il se bat contre Seiya, hein. Là, nous avons le visage bouche ouverte avec l'attaque Lightning Plasma. Nous avons également toute la partie attaque avec le mini-décor, avec une pièce qui permet de faire tenir Pégase dans les airs. Et là, nous avons la fameuse attaque contre Shaka devant la salle du grand, dans la salle du grand Pop. Hein. Voilà, cette fameuse, ce fameux combat qui pourrait durer 1000 ans. Moi, je vous propose directement de passer au contenu, parce que c'est quand même le plus important au niveau d'une vidéo de présentation de figurines, c'est de passer au contenu de la boîte. Alors, j'ai déjà retiré le blister afin de gagner un peu de temps, et je vais vous montrer ce blister immédiatement. Je vais tout simplement retirer le couvercle, et nous allons visiter ensemble ce blister. Alors, au niveau du contenu, comme d'habitude, on fait très très simple dans les DD panoramations. C'est pour ça que je vous disais vraiment, il y a quelques minutes, qu'on était plus dans du jouet à proprement parler que dans de la pièce de collection. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à critiquer ces produits, mais bon, voilà. Dites-vous bien une chose, c'est que Bandai n'a pas un but social, n'a pas un but de vous faire plaisir, mais a vraiment un but commercial. Peut-être s'est-il tout simplement rendu compte que les mid-close fonctionnaient très très bien pour les adultes, mais peut-être que les enfants, peut-être que Bandai voulait tout simplement cibler un public plus jeune et plus disponible au niveau des prix. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas tout à fait donné, mais c'est pas non plus aussi cher qu'une mid-close, voire une figurine EX. Voilà, donc là on a toutes les pièces en plastique qui, à mon sens, pour moi, sont totalement inutiles. Bien que cette petite pièce ici, vous voyez, ce petit bras ici avec ce crochet qui permet tout simplement de faire tenir une figurine dans les airs, ça peut être utilisé aussi pour des décors, pour des figurines classiques, parce que vous pouvez très bien leur donner une pose avec un pied levé par exemple, en enfonçant cette petite tige tout simplement dans les décors et en faisant tenir la figurine. Donc ça peut être recyclé pour d'autres perspectives. Alors nous avons la figurine, comme je vous disais tout à l'heure, avec son visage normal. Voilà, très 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 belle et très très brillante. On pourrait chipoter un petit peu au niveau des pieds qui ne sont pas dessinés comme le sont les mid-close ou les mid-close UX. Mais voilà, c'est quand même très très joli, très brillant. C'est assez bien foutu. Le visage n'est pas aussi bien que sur les grandes versions. Là, on a le fameux visage avec les yeux ouverts. Là, on a le fameux visage avec les yeux rouges. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Sachez aussi que le visage avec les yeux, la bouche ouverte, a les yeux rouges également. Nous avons une autre chevelure pour la chevelure non casquée. Nous avons une paire de mains. Et nous avons ici une main un peu particulière. C'est une main qui reprend la main de chacun. Tout simplement. Vous savez, là, dans ce fameux combat entre le lion et Shaka, eh bien, ça vous permet vraiment de mettre ses mains sur Shaka et de faire en sorte que les deux personnages s'affrontent. C'est pas mal du tout, je trouve, cette idée. C'est une petite idée qui est fort, fort sympathique. Et je suis content que Bandai nous propose des petits bonus comme ceci. Alors, au niveau de la notice, alors là, on a une notice qui est gargantuesque. Une notice qui est assez bien faite, regardez. Très très grande. Très très grande pourquoi? Parce que du côté gauche, on a toute cette partie justement diorama qui est fournie dans la boîte. Alors c'est un diorama qui est totalement montable, qui est totalement un peu style Lego System. C'est pour ça que je vous parlais aussi de jouets pour enfants, parce que ça permet vraiment aux enfants, contrairement à la figurine, de monter le décor et pas la figurine, et ça permet peut-être aux enfants de se faire plaisir, comme le font leurs parents avec des figurines beaucoup plus onéreuses. Voilà, donc je pense que c'est vraiment dédié aux enfants. Ces figurines sont vraiment dédiées aux enfants. Alors là, nous avons
forcément très très faiblement, nous avons un montage très faible de la figurine étant donné qu'on ne peut changer que les mains, que le visage et le casque. Et là, au-dessus, nous avons tout simplement cette image dont je vous parlais, avec ces fameuses mains que l'on met au lion et qui viennent reprendre les mains de la Vierge. Donc vous voyez maintenant à quoi servent ces mains, regardez. On a ces fameuses mains, attendez, je vais faire un petit focus. Voilà, on a ces fameuses mains qui viennent reprendre celles de la Vierge et vous permettent tout simplement de faire ce combat entre la Vierge et le lion. Donc ça vous permet vraiment de multiples possibilités de scènes, chose qu'on n'a pas forcément avec les Mid-Close, hein, parce qu'il faut vraiment... Il faut vraiment devoir chipoter avec les Mid-Close, ce qui n'est pas forcément le cas avec ces petites figurines. Voilà. Moi, je vous propose vraiment maintenant, après avoir découvert le contenu de cette boîte, de passer à la figurine, tout simplement. Et voilà ce lion. Ce lion devant vous. Alors, inutile de vous préciser que c'est une toute petite figurine, étant donné qu'elle ne fait que 10 cm, ça vous le savez. Mais ce que vous pouvez directement vous rendre compte à travers cette vidéo, c'est de la brillance de l'armure. On est sur du full plastique. On est sur une figurine qui est hyper légère, qui mesure 10 cm de haut. C'est une figurine dont toutes les pièces tiennent. On n'a aucun souci de perte de genouillère, etc. étant donné que la partie de la jambe est fixée directement sur la genouillère. Donc ça permet vraiment de n'avoir aucune pièce qui tombe. On n'a pas la cuissarde qui redescend, on n'a pas le pied qui tombe malgré qu'on sache le retourner, etc. On n'a rien qui bouge, on n'a rien qui tombe. Vous pouvez aussi tourner, regardez, vous pouvez aussi tourner les avant-bras pour vraiment donner des poses incroyables au personnage. Ça c'est pas mal du tout. Ah, attendez, je me rends compte d'un petit truc. Regardez, vous savez retirer l'avant-bras. Ça, je ne le savais pas. Je le découvre en même temps que vous. Vous savez retirer l'avant-bras. Donc, je regarde si on sait retirer les autres pièces. Non, on ne sait pas retirer les autres pièces. C'est bien collé hein, sur l'avant, sur l'arrière du bras. Hein. Mais on sait retirer les avant-bras. C'est pas mal. Donc, ça veut peut-être dire qu'on peut peut-être s'amuser à customiser les personnages, etc. Ça peut être sympa. Alors, regardez au niveau du personnage. Ah, ben regardez, les jambes aussi, on peut le faire. Donc ça peut être très très bien si vous désirez peindre les corps, etc., sans avoir abîmé l'armure. C'est quand même sympa, hein, c'est quand même... Ça reste quand même très 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 maniable. Et moi, je trouve ça très sympa. Regardez le personnage, regardez la brillance. C'est quand même bien foutu, hein. Voilà. Mais non, oui, c'est pas donné. C'est pas donné. Mais vous préférez faire plaisir à votre enfant de 7-8 ans en lui offrant une Mid-Close? Avoir peur, une Mid-Close à 130 euros, 140, voire 150, voire 200 euros, et avoir peur qu'il l'abîme, qu'il perde des pièces, etc. Ou vous préférez lui acheter une figurine à 50, 60 euros, avec laquelle bah, il va s'amuser tout simplement, sans avoir vraiment peur de perdre des pièces, etc. Ça, c'est mon point de vue, maintenant, ce n'est pas forcément le vôtre. Hein. Mais à mon sens, c'est un jouet, ce n'est pas une pièce de collection. Donc voilà. Donc certains vont encore critiquer en disant « Oui, mais Bandai, pendant que tu sors ça, tu sors rien d'autre. » Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? De toute façon, si Bandai n'a pas décidé de sortir de figurines, c'est pas parce qu'il va sortir autre chose qu'il va avancer dans son envie de sortir des figurines Mid-Close. Si Bandai a envie de sortir des figurines d'autres séries, c'est pas pour autant qu'il freine ses sorties de Mid-Close. Bandai a un cahier des charges, Bandai a sans doute un emploi du temps, Bandai... Je ne travaille pas pour Bandai, je vous rassure. Mais Bandai sort ce qu'il veut. Voilà, j'ai appris aujourd'hui, d'ailleurs je l'ai posté sur mon mur Facebook, l'annonce de la sortie de la figurine d'Athéna en version OCE, en version armure divine. Alors, c'est quand même une grosse nouveauté de la part de Bandai. Mais je suis sûr que certains vont encore critiquer. Oui, c'est pas ce qu'on attendait, on attend les argents, etc. Les gars, une collection, ça se fait pas en un jour. Vous avez toute votre vie pour faire votre collection. Une fois que vous aurez tout dans votre collection, vous allez vous en lasser de votre collection parce que vous n'aurez plus rien à acheter. Alors les gars, patientez. Refaites des poses, faites des décors, changez la disposition de vos figurines. Mais ne vous plaignez pas comme ça. Ça sort au fur et à mesure du temps. Voilà. Regardez ce lion qui est magnifique. Alors, on a la possibilité donc de changer les cheveux, etc. Donc là, je vais essayer de retirer la tête pour voir un peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas retirer la tête. Je n'ose pas tirer trop fort, peur de l'abîmer. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement retirer cette partie avant qui est casquée et mettre la partie non casquée.
Ah, regardez, regardez quel... Ah, là, on a... Ah, là, j'aime bien. Je retrouve le chevalier du lion avec un visage beaucoup plus parlant. Ah, oui, là, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup ce visage. Voilà. En tout cas, dans mon sens, à moi, ça ne me porte aucun souci d'avoir les visages qui sont moins jolis que le reste, étant donné que sur mon mur des lamentations, parce que oui, je vais me rebaser sur le mur des lamentations, je vais mettre tous les personnages de dos, comme ceci. Je vais mettre tous les personnages de dos afin de rendre le mur des lamentations beaucoup plus imposant et de réaliser vraiment cette scène dans le chapitre Hadès où tous les chevaliers sont devant le mur des lamentations. Regardez la photo ici, regardez. Regardez les quelques photos ici que je vous montre. Vous allez comprendre tout de suite à l'aide du Gemini Saga ce que j'avais fait dans une précédente vidéo afin que vous ne retourniez pas forcément voir cette vidéo. Bien que je vous invite à le faire parce qu'elle était vraiment très très complète. Mais regardez les quelques photos ici, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc vous avez vu les photos et vous rendez compte tout de suite de la perspective d'une figurine sur ce décor. Hein. Ce décor fait 70 cm, il est vraiment énorme et comme je vous le disais, ça va rendre vraiment très très bien. Et puis voilà, maintenant on pourrait changer les visages aussi, hein. Si vous voulez qu'on change les visages, on peut le faire aussi. Alors, comment peut-on faire? C'est vraiment petit et très difficilement maniable. Ah là 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 là, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout petit, hein, les amis. Ah ben voilà, on s'est retiré la tête quand même. Voilà, on est plutôt obligé, si on veut retirer le visage, de retirer la tête. On a le même mécanisme, je pense, que sur les versions... Non, que sur les versions UX, j'allais vous dire, mais non, pas du tout. C'est un autre mécanisme, mais attendez, on va essayer de mettre le visage avec la bouche ouverte. Ah oui, donc ça fonctionne comme ceci. Voilà, c'est petit, hein. Et alors, on vient remettre le casque, le visage, comme ceci. Ah, je suis hors champ de vision. Voilà, on va plutôt lui mettre le visage avec le casque. Voilà, comme ceci. Très honnêtement, c'est super joli. C'est super joli. Ce lion est vraiment magnifique. Voilà, on va... simuler l'attaque Lightning Plasma. Voilà, regardez. Ah, j'ai fait tomber le bras. C'est vraiment tout petit à manier, les amis, je vous assure, c'est... Mais c'est pas désagréable, c'est pas désagréable. Une fois que vous avez... Je pense qu'en plus, au niveau du nettoyage de ces figurines, vous n'avez vraiment pas peur d'abîmer les pièces. Contrairement aux figurines Midclos. Regardez, les peaux sont très faciles à mettre en œuvre, etc. Regardez. C'est joli, hein, c'est vraiment joli. Regardez, ça brille tout. De tous côtés, je vous fais vraiment le descriptif. Regardez, je vous montre vraiment la figurine sur tous les angles. On a quand même de beaux ornements sur les armures. Regardez, on a les traces de doigts qui se marquent beaucoup moins fort que sur une figurine plus grande. Vous mettez tout simplement un petit coup de linge à lunettes avant de le placer en vitrine et ce sera super. Franchement, avec une vitrine d'étolf, je pense qu'il y a moyen de placer toute la collection. Alors, ne vous faites pas mal au cœur si vraiment vous aimez ces figurines. Ne laissez parler qu'une chose. Ben c'est votre passion et fichez-vous de ce que les gens disent. Il y aura toujours des gens pour critiquer de toute façon. Et il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, ça ok. Mais si vous vous aimez, faites-vous plaisir. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Moi personnellement, ces figurines, ben, au départ, j'étais complètement... j'aimais pas du tout. D'ailleurs, dans ma première figurine de Pégase, je le dis, c'est de la merde. Je le dis. Mais j'ai changé ma façon de penser dans le sens où... C'est une autre dimension. Il y a les Midclos, il y a les Midclos EX, il y a les Vintage,
Et il y a les DD Panoramation. On n'est pas sur de la figurine mid-close, on est sur une autre série. Alors, on aime ou on n'aime pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà. Moi, je réalise cette vidéo pour vous qui aimez éventuellement ces figurines et qui vous posez la question à savoir, tiens, est-ce que je fais le choix de l'acheter ou pas ? Mais moi, en vous présentant cette figurine, j'espère que vous aurez un avis optimiste ou négatif. Ça peut être aussi du négatif. Peut-être que le fait que vous voyez les bras comme ceci... Ah, mais regardez, la pièce du dessus peut se retirer, regardez. On découvre finalement qu'on s'est retiré des parties de l'armure. Vous voyez, c'est ça qui est bien aussi dans le live. C'est qu'on découvre certaines choses qui sont quand même intéressantes. Donc voilà, comme je vous disais, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que, à travers ma vidéo, certains vont trouver ça intéressant ou pas, le fait d'acheter cette figurine. Et ça, pour moi, c'est le mieux que je puisse faire pour vous, et ça, ça me fait plaisir. Voilà. Mais écoutez, je pense que tout est dit au niveau de cette figurine. Je ne vais pas faire le tour du décor, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, bien que ça puisse vous intéresser. Mais je vous laisse à vous le loisir de vous amuser avec ces pièces. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui va m'énerver très vite au niveau des... au niveau des changements de main, etc. Maintenant, au niveau des attaques... Ah, mais oui, regardez. Je n'avais pas vu, par contre, dans le blister. Regardez, je vais vous montrer ça. Je n'avais pas vu quelque chose au niveau du blister. Je découvre à l'instant. Parce que je me dis, mais il n'y a pas d'attaque, finalement. On n'a que du décor. Mais où est l'attaque? On a juste ça au niveau du Lightning Plasma, c'est pas possible. Donc en fait, si, attendez, regardez, je vais retirer. Il y a une autre partie en dessous de la boîte en fait. Je ne sais pas comment y avoir accès. Ah, mais voilà. Voilà, regardez, vous retirez tout simplement cette partie-là et on retrouve tous ces fameux bâtonnets du Lightning Plasma. Ces bâtonnets qui peuvent être très 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 sympas dans un décor, ils sont super bien faits. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petits éléments, qui peuvent être sympas. Hein. Donc voilà, je reviens sur la figurine à proprement parler. Je vous remontre une dernière fois le contenu du blister avec tous les éléments du décor. Je vous remontre cette figurine qui est quand même fort sympathique, bien que très controversée au niveau de la série des panoramations. Et je vous dis à très très bientôt pour la présentation de la figurine du cancer en version or également des dépanoramations. Des petites vidéos très rapides, hein, donc voilà, on n'est pas sur de la mi-close, je précise, ce sont un peu des vidéos bonus, comme je vous le disais précédemment, dans d'autres vidéos des dépanoramations. Donc ne pensez pas que toutes mes vidéos vont être à l'identique, ici on est vraiment sur de la petite présentation de figurine. Les amis, à très très bientôt, très très bonne journée à vous, ciao ciao! どうだ？地獄を見た感想は？